Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action, et oui encore. Il y aura une chose que j'ai trouvée à Intermarché de la marque Atmosfera, je vous montrerai en fin de vidéo. Donc on va tout de suite commencer. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a un bébé là, c'est les vacances, donc les enfants sont à la maison. Donc bah écoutez, c'est normal. Donc déjà, première chose, alors ça c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est la mamie de Iliana qui lui a pris un énorme ventilateur, là vous verrez mieux comme ça sur pied. Et bien écoutez, il est super, voyez mieux là sur la photo, il est comme ça, il est top, franchement il a 3 vitesses, il est rotatif, franchement il est très très bien. Et il prend peu de place vu qu'il est grand et long, du coup on le cale dans un coin de mur quand elle n'est pas là et puis c'est très bien. Donc voilà, ensuite chez Action, mon bébé a retrouvé des petits sujets comme ça pour faire en bois pour la nourriture. Passe de l'autre côté mon chéri, il y a le fil là. Donc voilà, donc il y a les carottes, les tomates et c'est vraiment très très bien. Donc il a la pizza, les carottes et je sais pas si il n'en avait pas un troisième mais je crois qu'on n'a plus la boîte. Donc voilà, franchement c'est trop bien. Puis pour le prix, ce qu'on sait que les gens en bois ça coûte assez cher. Et là honnêtement, elles sont vides mon chéri les boîtes. Les jeux ils sont dans la chambre. J'avais enlevé tous les jouets. Non mais franchement c'est super bien. Il y a des scratchs, vous voyez, au milieu des aliments. Et avec le couteau, vous coupez et la viande. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est. Il est parti avec un dalle pour petite pause. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des pépites. Mais des pépites, franchement, je suis hyper contente de mes trouvailles. J'ai trouvé ces deux paniers. Oui, ils sont magnifiques. Alors ça, c'est le petit modèle. Je le mets dans mes toilettes sur l'étagère avec mes produits ménagers des toilettes. Et franchement, regardez-moi ça. Il est super beau. Franchement, je suis hyper contente. Et il y a le plus grand modèle, vous voyez? Il est un peu plus grand. Et là, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Mais honnêtement, je suis fan, fan, fan. Je vous mettrai les dimensions et les prix à l'écran, bien évidemment. Vous voyez, c'est un coup de cœur. Franchement, je l'ai vu. Je le cherchais. Et je ne l'avais pas vu dans le magasin. Et en fait, quand je suis sortie, j'ai vu quelqu'un avec ça dans les mains. Je me suis pas bien regardé. Je suis retournée au magasin et je les ai trouvés. Je suis trop contente. Donc voilà, je... une pépite. On va partir sur notre pépite. Regardez-moi cette boîte. Elle n'est pas trop jolie. On va enlever ça pour que vous voyez bien. Elle est magnifique. Toute martelée. Avec son couvercle en bois. Elle existait dans un autre coloris. En noir. Exactement. C'était en martelé noir. Oh, j'adore. Elle est immense. Vous avez vu à côté de ma tête. Franchement, elle est hyper grande. Elle fait 24,8 sur 7,5. Centimètres. Franchement, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Des pépites comme ça, ça faisait longtemps qu'à Action, je n'avais pas trouvé d'aussi belles choses. Ensuite, j'ai pris une grosse bougie comme ceci. Alors, fraîche limen et florale. Et bien, elles sont super bonnes, vous savez, c'est avec la mèche en bois. Elles sont trop, trop bonnes. Donc voilà, celle-là, je vais la mettre dans ma cuisine. J'aime beaucoup ces bougies, puis j'aime bien le petit crépitement qu'elles font. Et en parlant de bougies, j'ai pris encore une fois celle-ci. Je fais mon stock pour l'automne. Elle sent trop bon, puis vous avez vu avec les petites citrouilles là. Franchement, je préfère les prendre maintenant parce qu'à l'automne, il n'y en aura plus. Donc, je sais que c'est un peu tôt pour penser aux décos d'automne, aux choses comme ça. Mais franchement, je préfère les prendre comme ça, je les ai. Donc, j'en ai deux. Si j'en prends une troisième, j'en prends une troisième. Ensuite, pour rester à l'automne, j'ai trouvé ce petit champignon en bois. Il existe en bois clair et en bois blanchi. Et moi, j'ai pris le bois foncé. Je le trouve trop, trop mignon. Franchement, ça, c'est des décos qu'on peut trouver dans des magasins de décoration style Maison du Monde. Hyper cher. Et ça, j'ai dû payer 1 euro, quelque chose comme ça. Vous aurez le prix, vous verrez. Je suis trop contente. Franchement, mes trouvailles sont folles. Ensuite, j'ai repris un petit chip-chip comme ça qui sent... Alors, qu'est-ce que j'avais vu avec la grand-mère et la tante d'Iliana? Alien, je pense. Ça sent trop bien. Ah, vraiment. Ça sent trop... Sans, mon chéri. Ah, tu veux montrer la vidéo? Ah, passe de l'autre côté, alors. Passe de l'autre côté. Il va vous montrer ses jouets en bois. Il les a retrouvés. Enfin, il y en a pris quelques-uns. Allez, montre-nous. Regarde. Waouh! Attends, je te grimpe. Voilà.
Donc, vous voyez, attends, on va bien montrer. Donc, attends, lâche deux secondes mon chat. Donc, en fait, c'est comme ceci. Et vous avez des scratchs au milieu. Et après, quand vous les mettez comme ça, vous pouvez créer votre sandwich. Franchement, il adore. Allez, tu vas jouer avec Dada? Ah, tu veux sentir? Ça sent bon? Mais là, tu tiens bon. Ah, tu veux que je fasse chut? Non, non, ça suffit. Non, non, c'est maman. Ça, maman, c'est les jouets de maman. Allez, tu vas jouer en attendant. Ah ben oui, il y en a beaucoup. On a fait beaucoup de pchit là. Bon, revenons à notre hall. Ensuite, en décoration, j'ai trouvé ceci, ce bougeoir en bois. C'est en bois de quoi? C'est un bougeoir. En bois d'arbre, comme dirait. Je travaillais chez Casa et un jour, j'avais un client qui était posait beaucoup, beaucoup de questions. Et à un moment donné, il me dit, c'est en quel bois? J'ai un bois d'arbre. J'étais sûre de ne pas me tromper comme ça. Et ça, bon, ça doit être du manguier, ça. Qu'est-ce qu'ils me disent, là? Ils ne me disent pas grand-chose. Non, bon. Bref, c'est un bougeoir, vous savez, avec, on met les chandelles. Je l'ai trouvé trop beau pour l'automne, même pour toutes les décos. Hein. Franchement, même là, avec une jolie bougie bleue ou blanche, je l'adore. Donc, j'ai pris ça. Et vous voyez, à côté de mon petit champignon, j'adore le bois, de toute façon, vous le savez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une petite bougie comme ça pour l'automne aussi. Apple Cinnamon. Eh bien, ça sent bon. Ça sent la cannelle. C'est avec une seule mèche comme ça. Donc, du coup, je fais mon petit stock de bougies. Mais ça, là, le pot, c'est sûr que je le garderai. Je mettrai des bougies chauffe-plat par la suite. Quand ça sera vide, parce que franchement, c'est trop mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Iliana s'est trouvé des cahiers comme ceci. Donc, c'est des Orford, pardon. C'est 160 pages. Donc, elle m'a expliqué, si j'ai bien compris, qu'en fait, elle pouvait scanner la page grâce à ces petits détails et que le cours se mettait dans son téléphone. Si j'ai bien compris, hein. Si je dis des bêtises, je lui demanderai là, elle n'est pas là, elle est portugaise avec son papa. Mais elle a pris deux bleus clairs et je trouve que la couleur est super jolie. Donc voilà, on commence petit à petit à faire les petites fournitures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a repris du vernis semi-permanent. Enfin, on l'achète, on l'a toujours pas fait, donc peut-être qu'on s'y mette. Il y avait deux nouvelles couleurs. Donc, il y avait cette couleur là, c'est un vert. Je vais vous montrer, enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Bah, dis donc. Ah, quand même. Hop. C'est où que vous pouvez voir? Là, vous voyez ce joli vert comme ça. Franchement, il est hyper joli. Hop. Et on a pris celui... Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il me... C'est le 575 Sweet Jealousy. Waouh, quel anglais. Vous voyez ça? Et celui-ci, c'est le 590 Girl Slay. Alors, pareil, ils sont durs à ouvrir. Et vous avez vu, hop. Ce joli rose tendre là. Donc voilà, donc il va falloir que je le fasse. Je pense que je vais faire mes pieds bientôt. Je vais peut-être faire une des deux couleurs, je verrai. Mais honnêtement, pour le prix, ça vaut le coup. Ensuite, en parlant d'ongles, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai retrouvé des faux ongles. J'ai pris ceux-là, les bleus. Franchement, je les trouve magnifiques. Alors par contre, cette forme, j'ai jamais mis. Donc je ne sais pas si je vais aimer. Mais honnêtement, pourquoi pas? C'est très joli. Il y en a des brillants et il y en a des effets sirène. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, ceux-là, je les avais déjà pris. Je les ai repris parce que je les ai trop aimés avec les petites fleurs comme ça. Violet et les petites fleurs. Et on a pris celui-ci. Il y en a aussi, c'en est pris une. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Vous voyez, ils sont très jolis. Je les aime bien. Franchement, ils sont top. Ensuite, je me suis pris une paire de boucles d'oreilles. Des créoles comme ça. Alors, c'est dans la partie plaqué or. Et honnêtement, j'ai un petit bracelet là qui vient de chez Action plaqué or. Je vais à l'océan, je vais au lac, je me lave avec, je dors avec. Il ne bouge pas. Franchement, foncez les filles, c'est bien dans ce sens. Et elles sont super jolies. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, c'est Iliana qui s'est trouvé des blushs. C'est les nouveaux. On a pris les trois. Donc, il y en a un qui est vide parce qu'elle est partie au Portugal avec. Donc, c'est des... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, tac, tac. Stick multi-usage. Ah, mais ouais, je ne savais même pas. Pour donner un teint naturel à vos joues, paupières et lèvres. Ah, super. Appliquer très facile avec le doigt ou le pinceau. Donc, il y a celui-ci. C'est le 184, le Peach. Ensuite, on a le 181... Flirty Pink.
Voilà, je vais vous en ouvrir un pour que vous voyez. Et le 187, le plume. Alors, on va ouvrir le plus foncé. On va détruire le packaging, hein, c'est pas grave. Honnêtement, pourquoi pas, ça peut être top. Alors, ça se forme, c'est comme ça, un stick, hop, qui se... Oh, franchement, c'est joli. Hein. Ah ouais, en rouge à lèvres, voyons. Eh bien, j'aime beaucoup. Moi, celui-ci, je m'en servirai comme rouge à lèvres parce que, franchement, il est un peu foncé pour mes joues, vous voyez. Je ne mets pas trop de... Oh, de temps en temps, vous me direz. J'essaierai. On essaiera un jour, on fera un crash test. Ça serait bien aussi de faire un crash test maquillage. Après, je ne suis pas une pro du maquillage. Donc, moi, vous savez, là honnêtement, sur moi, j'ai du mascara et j'avais du rouge à lèvres. C'est tout ce que j'ai. Bon, après, je me mets au soleil et tout. Donc, le teint, c'est le soleil qui me le fait. Attention, faut se protéger, bien sûr. Et le rose tendre, donc pareil, même packaging. Ah oui, celui-là est très clair. Donc celui-là, peut-être pour blush, ça peut être pas mal. Donc voilà, écoutez, je vous ai tout montré. J'espère que ce haul vous aura plu. Nous, aujourd'hui, c'est caniculaire. Il fait très chaud. Oui, on va faire bye-bye. Donc honnêtement, c'est pour ça, là, j'ai mis la lumière parce que c'est un peu sombre à la maison. Qu'est-ce que tu racontes, mon petit chat? Ah, je sais ce qu'il veut faire. Et voilà, bon, mais la vidéo est terminée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à un tiers de la marque Atmosfera. C'est un parfum de maison, fraîcheur marine. Et franchement, ils sont trop bons. Ah ouais, ça sent la plage, ça sent l'été. J'adore. Donc, c'est le numéro 1. J'ai oublié de vous le montrer. Donc, voilà. Bon, allez, à très vite. Bye bye. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. À bientôt, bye bye.